Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison Dutch Farmer, saison consacrée à répondre à une problématique. Vous avez un besoin, Dutch Farm a la solution grâce à ses multiplateformes et son portefeuille produit qui s'étend de 50 à 340 chevaux. Je vous propose de partir à la rencontre d'agriculteurs à travers trois épisodes qui vont revenir vers nous vers l'utilisation de différentes plateformes de tracteurs. Et à l'occasion de ce premier épisode, je vous propose de partir à la rencontre de Baptiste, des GAEC des Ruisseaux, qui va nous détailler un petit peu son choix vis-à-vis de l'acquisition de la série 5 dernière génération. Bonjour Baptiste. Bonjour. Merci de nous accueillir ici sur ton exploitation. On est au cœur de la web série Dutch Farmer, répondre à vos problématiques, vos agriculteurs. Mais avant ça, est-ce que tu peux introduire un petit peu ton exploitation? Oui, donc Baptiste Mousset. Je suis en Mayenne avec mes parents et mon frère, 4 sur l'exploitation. Donc on a une centaine de vaches laitières, un peu de tourillon, donc pour faire 80 hectares de maïs et 30 hectares de blé, plus une soixantaine d'herbes. Polyculture donc, besoin de matériel, de tracteurs. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'historique et les prédécesseurs de ce série 5? Ouais, donc on avait un vieux tracteur qui arrivait en bout de course, qu'on ne voulait pas forcément renouveler. Et puis on s'est pris un jour l'idée d'acheter le 5110G, le prédécesseur de celui-là, pour faire des travaux polyvalents. Donc on était très contents et là on a pris la décision en fin d'année dernière de le renouveler, d'acheter le 5115. Renouvellement de la série 5G avec la dernière génération de tracteurs série 5 Stage 5. Quel type de travaux est amené à faire ce tracteur? Donc lui, c'est le tracteur polyvalent. Sur notre exploitation, il fait tout. C'est-à-dire que là, en cette période, il est affecté à l'affrangement en verre. Mais donc, dès que ça va se terminer, lui, il va passer sur le round pour faire tout ce qui est fenaison, tout ça. Il fait toute la partie fenaison. Donc il fait le pressage de paille. À l'ensilage, il est à benne d'appoint. Donc il est aussi équipé d'un bâti de fourche pour pouvoir remplacer les autres tracteurs fourches quand il y a besoin. Voilà, il va très bien de l'élevage au champ. Un tracteur polyvalent, un véritable couteau suisse qu'on vous propose de découvrir de manière plus technique dans les images qui vont suivre. Après le champ, retour à la ferme et vous l'avez vu à travers cette vidéo du nouvelle génération de série 5 Stage 5, la polyvalence est de mise avec un tracteur véritable couteau suisse dans vos exploitations. Je vous propose de passer à un cran supérieur en passant la barre des 150 chevaux et de découvrir la nouvelle génération de tracteurs série 6 Power Shift et RC Shift dans le prochain épisode pour encore une fois répondre à la problématique, un besoin, une solution avec Dutch Farm.